Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone positionné aux Açores ne nous protège plus et les perturbations vont donc s'enchaîner ces prochains jours. Jeudi et vendredi, des vents forts de secteur sud-ouest vont souffler sur la Vendée avec également de bonnes précipitations. Mercredi matin, ce 6 avril, le brouillard nous accompagne sur une bonne partie du département. Après sa dissipation, les nuages dominent toujours. Quelques éclaircies sont tout de même possibles, notamment, vous le voyez, sur les îles vendéennes. Concernant les températures, on compte 4 degrés minimum du côté de Montaigu-Vendée, 5 à La Roche-sur-Yon, 10 au Sable d'Olonne et 11 degrés sur l'île de Noirmoutier. Dans l'après-midi, pas de changement, la couverture nuageuse reste imposante. Des rafales de vent sont à noter avec des pointes à 55 voire 60 km/h. Le mercure est stable, on compte une moyenne de 12 degrés sur la majeure partie du département, hormis la Châtaigneraie qui obtient un petit 11 degrés. On jette un œil aux prévisions des trois prochains jours. Jeudi, eh bien, ça souffle en Vendée, les rafales de secteur ouest. Sud-ouest peuvent atteindre les 95 km/h. Le ciel s'annonce également pluvieux tout au long de la journée. Température de 11 à 12 degrés de moyenne. Vendredi, pas d'amélioration. Les vents sont toujours violents et la pluie ne cesse pas en matinée. Petite accalmie tout de même dans l'après-midi avec plutôt un ciel de traîne qui va se mettre en place, c'est-à-dire du soleil, des nuages et des averses. Les rafales de vent s'annoncent tempétueuses avec des pointes pouvant dépasser les 100 km/h. C'est donc à surveiller. Et puis samedi, le temps devient plus clément, mais ça reste nuageux. En soirée, le soleil pourrait réapparaître. Prémisse d'une belle journée qui s'annonce dimanche. Le mercure est compris entre 5 degrés le matin et 12 au meilleur de la journée. En attendant, on revient à notre mercredi 6 avril. Le soleil se lève à 7h34 et se couche à 20h41. Très belle fête à tous les Marcelins. Et puis coefficient de marée, 67 et 60. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée sur TV Vendée. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo.